I found it hard to say the things I want to say the most. Found a little bit of relief as I get closed. Found the balance in the middle of the chaos. Send me low, send me high, send me harder than it got. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 here at the end of my mind, but turning to the tires on another time. But looking to the way that the ones before me, looking for the past of the young and lonely. I don't want to hear about what to do. I don't want to do it, such as do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to as you feel. Like an empty end and nothing really real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel. Like it's empty end and nothing really real. I'm looking for a way out. Plutôt sympa de commencer en chanson, non? Je pense que pour un film d'animation, à chaque fois qu'il y aura une musique originale, je tenterai de la jouer en tout cas. Celle-là, c'était Zero, donc de Imagine Dragons, qui a été composée pour Les Mondes de Ralph 2.0, dont on va parler tout de suite. Je m'attendais à quelque chose de vraiment très très bien, et c'est bien. C'est juste bien en fait. Donc c'est un bon film, vous inquiétez pas là-dessus, mais j'en attendais quelque chose de plus. Pour vous dire tout de suite, on va pas spoiler. On va parler déjà de ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, on abordera les points négatifs plus tard. Pour moi, mes scènes préférées dans le film, et c'est pas un spoil, vous l'avez vu dans les bandes d'annonces, c'est quand on arrive dans la partie d'internet consacrée à Disney. Donc au site internet Oh My Disney. Référence à foison, c'est génial. Et franchement, les scènes avec les personnages de Disney, et avec les princesses Disney plus spécifiquement, sont vraiment pour moi les scènes les plus drôles du film, les scènes les plus intéressantes du film. J'ai trouvé ça très très drôle, ça fait une énorme pub pour Disney. Il y en a qui ont gueulé parce que apparemment les princesses type Pocahontas ou Tiana avaient été blanchies. J'ai pas compris parce que Tiana reste noire et Pocahontas reste indienne quoi. Enfin, je veux dire indien d'Amérique. Donc j'ai pas compris pourquoi on avait gueulé là-dessus. Je trouve que Tiana en plus dans son film perso La princesse et la grenouille est un modèle de femme forte et c'est une légende américaine hein, qui a été adaptée. Je veux dire on place Tiana à la Nouvelle-Orléans et citez-moi un autre film Disney où la princesse est américaine. Pocahontas oui mais c'était les Indiens d'Amérique et encore là. Elle aussi est métisse, c'est-à-dire que la seule princesse américaine pour l'instant qui existe dans les classiques Disney, elle est noire. Et donc c'est quand même un message fort et donc je comprends pourquoi on a gueulé là-dessus. Donc franchement, avec les princesses et Vanellope, ce sont les meilleures scènes du film, j'ai trouvé ça super drôle. Et en plus, il y a un petit remaster de relooking vestimentaire des princesses, j'ai trouvé ça super intéressant. Et dans cette partie de Disney, on fait référence bien évidemment à Star Wars, aux Avengers, etc., à Marvel. Et il y a même une référence à High School Musical, j'ai trouvé ça génial. Enfin, la partie Disney, c'est vraiment là où j'ai le plus ri. Les autres parties du film qui sont vraiment très bien, c'est qu'on voit quand même que Internet, ils savent de quoi ils parlent. Il y a vraiment des références, des trucs bien trouvés au niveau des pop-up. Ça, c'est génial. Au niveau des pop-up qui pointent, la cinquième va vous surprendre, etc. C'était montré dans la bande-annonce, ça aussi, mais c'est bien mieux fait dans le film. eBay, c'est génial, comme on s'est représenté. Pareil pour YouTube, c'est bien représenté. On voit un peu Facebook au loin, on voit Amazon au loin. On voit vraiment tout, Snapchat, Instagram, il y a de tout. L'effet buzz aussi que provoque une chaîne YouTube, un réseau social. La façon de naviguer à travers les différents sites aussi, c'est bien mis en place. Les coupures de connexion, les choses comme ça, c'est génial, j'ai trouvé ça très très drôle. Et le Wikipédia du film Monsieur Je Sais Tout, vu qu'ils ont sûrement pas eu les droits, est vraiment très très bien fait avec la saisie automatique, ça c'est très très drôle. Et Vanellope et Ralph sont toujours super attachants. Ralph est un peu niais en fait, je m'étais pas rendu compte de ça dans le premier film, mais même dans le premier film, il est un peu niais et le reste dans celui-ci, c'est plutôt sympa. Il fait un peu des choses connes aussi, mais c'est le personnage qui veut ça en fait, le gros lourdeau un peu niais. Peut-être qu'il faudrait que je revoie, peut-être que dans le premier, il est plus intelligent que ça. En tout cas, dans le 2, il fait un peu gros lourdeau niais, contrairement à Vanellope qui, elle, a des problèmes existentiels, entre guillemets, mais qui a l'air beaucoup plus intelligente que Ralph. Les nouveaux personnages comme Spam, je crois qu'il s'appelle ça, Spam ou Pasm, le gars qui file les pop-up de jeux vidéo, et Shank sont bien exploités. Et Yes aussi est vraiment très cool, j'aime beaucoup le personnage de Yes. Au niveau de l'animation, bien évidemment, c'est très très beau, c'est très bien fait, et tout cet univers Wi-Fi Internet est vraiment cool. Aussi, comment c'est montré au début, avec l'interaction entre les différents jeux, avec les différentes bornes d'arcade, ça c'est vraiment sympa. De toute façon, ça c'était déjà présent dans le premier. C'est vraiment très bien fait, l'intégration aussi du jeu de boissons, vous savez, de bière d'arcade, là. Ils vont, le soir, quand c'est fermé, boire la bière dans cette borne d'arcade, je trouve ça vraiment très intéressant. Franchement, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. En plus, les
personnes humaines dans Internet ressemblent un peu à des Mii, vous savez, de Nintendo. Je trouvais ça sympa aussi. Voilà pour les points positifs du film. Au niveau de la BO, elle est pas ouf, même si je trouve que cette chanson d'Imagine Dragon, Zero to Hero, est vraiment très très bien. En tout cas, elle représente vraiment bien le film. Surtout le premier, Zero to Hero. C'est plutôt cool. Donc, elle s'intègre bien dans l'univers du film, dans l'univers du jeu. Et il y a 2-3 thèmes, quand ils arrivent dans Internet et tout, qui me font un peu penser à Avengers et un petit peu à Star Wars aussi. Ils ont fait un mix des deux qui est plutôt cool. Donc, une grosse référence à Disney. Et il y a bien évidemment 2-3 extraits des chansons Disney. Quand on est sur le site Oh My Disney, c'est génial. Ça se moque un peu de lui-même. Voilà. Super drôle. Cette utilisation des chansons qui est très bien faite. Au niveau internet, ouais, franchement, les références sont bien respectées. Je trouve qu'il n'y a pas d'erreur grossière en tout cas. Maintenant, les points négatifs, je trouve que le film est assez court, 1h35, 1h40, je crois. En tout cas, quand la fin est arrivée, j'ai fait ah ouais, déjà fini quoi. C'est dommage. Je m'attendais peut-être à autre chose. La fin, en tout cas, dans un sens, est quand même assumée, un peu surprenante. Je m'attendais pas que ça se termine comme ça. Ça reste quand même assez convenu, c'est pas comme Dragon. Et puis il y a ce Deus Ex Machina, un petit peu, vous verrez en voyant le film. Je trouve que c'est un peu trop simple de comment ça se termine, trop facile. En plus, il y a une contrainte de temps à la fin, vous verrez, pour réussir la quête, entre guillemets. On n'y croit pas du tout à cette contrainte de temps. Il y a la suspension de l'incrédulité, je suis d'accord. Mais là, c'est quand même beaucoup trop gros, quoi. Vous verrez de quoi je parle. Le jeu internet dans lequel Ralph et Vanellope vont aller, la course à la mort, je crois, et ben les caisses sont vraiment jolies, et puis on voit encore des scènes de course vraiment sympas. Vanellope, de toute façon, c'est son dada, la course. Je trouve que là, c'est super bien intégré au jeu internet. Et sa caisse est vraiment, vraiment belle, quoi. Vraiment cool. J'ai bien aimé. On est dans un Disney, donc forcément, à un moment donné, il y a une morale dans le film. Et cette morale, cette fois-ci, n'est pas double. Et elle peut être comprise par tout le monde, petit et grand. Et c'est vraiment intéressant, et on voit ce thème de toute façon se développer tout au long du film. Vanellope qui rêve d'autre chose, qui rêve de grandeur, de sortir de son monde, de voir plein de choses nouvelles, de vivre des aventures, quoi, de partir à la découverte du monde. Et Ralph, un peu plus vieux du coup, moins adolescent, jeune que Vanellope, qui est content de ce qu'il a, qui pense que ici tout est bien. Et en soi, les deux sont justifiables. L'envie de faire autre chose, l'envie de voir plus, d'aller toujours plus loin, de découvrir de nouvelles choses. Et être satisfait de ce qu'on a, d'avoir sa vie, d'être posé, d'être tranquille, et de pas forcément vouloir avoir plus, juste être content de ce qu'on a et vivre sa vie tranquillement, en faisant de nouvelles choses, en apprenant de nouvelles choses, mais pas forcément en voulant tout voir, tout découvrir, partir loin. Les deux sont en soi justifiables et les deux sont bien. Et les deux choix de vie, les deux thématiques, celle développée par Vanellope et celle développée par Ralph, je vous dis pas ce qui se passe à la fin exactement, mais en soi on tend vers ça depuis le début. Ralph qui est beaucoup attaché à Vanellope, qui veut pas la voir s'en aller, qui veut la garder avec lui, ce qui développe un affect envers Ralph et envers Vanellope, ce côté un peu niais de Ralph aussi qui fait partie de ça. Et ce caractère de Ralph donne aussi la grandeur au méchant du film, qui est vraiment incroyable ce méchant, ce qui est plutôt intéressant puisque de toute façon vous savez qu'avec internet on peut trouver la méchanceté un peu partout. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, il y a une petite scène partie illégale d'internet, moins de 18, qui est un peu glissée pour pas que les enfants s'en rendent compte, mais le clin d'œil est sympa, c'est vraiment cool. Et il y a bien évidemment toute la partie négative de YouTube, des réseaux sociaux que j'ai pas évoqué, avec les commentaires négatifs, etc. Et ça, c'est bien mis en avant aussi, je trouve que c'est important d'en parler. Mais voilà, comme je disais, cette morale à double sens qui en soi, l'une n'est pas meilleure que l'autre. C'est selon ce qu'on a envie de faire, nos choix de vie et quel âge on a, quoi. C'est sûr que quelqu'un de 20 ans, il a envie de découvrir, de partir, aller voir le monde. Alors que quelqu'un qui a 40, 45 ans, qui est posé, qui a sa vie, forcément, il a moins envie de ça. Enfin, j'imagine, en tout cas. Pour terminer, les scènes post-génériques, il y en a deux. Il y en a une, la première, au milieu du générique, qui joue avec les bandes annonces, en fait. Vous savez, aujourd'hui, les bandes annonces se spoilent un peu beaucoup. Et des fois, il y a des choses qu'on voit dans les bandes annonces qui sont pas dans le film. Je vous laisse découvrir. Et la scène post-générique numéro 2, incroyable, restez jusqu'au bout du générique. C'est un truc de malade mental. J'ai jamais vu ça. Je trouve ça incroyable. Je pense que il y a pas plus drôle comme scène post-générique en fait. Ça annonce énormément de choses pour Disney, mais c'est super drôle. Je crois qu'ils ont exploité avec ça Internet au maximum. Avec cette scène post-générique, c'est maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec Internet quoi dans le film. Le gars qui a eu cette idée de scène post-générique, c'est génie sur 20 quoi. C'est parfait. C'est dingue. Super drôle, donc restez, je vous le conseille vraiment, restez jusqu'à la fin du générique. C'est avec, ce que je disais, les scènes des princesses Disney avant, c'est une des scènes les plus drôles du film. Et vraiment, en point négatif, il y a juste ce film qui est un peu trop court et cette fin un peu trop convenue, et un peu trop simple, un peu trop Deus Ex Machina. Sinon, le film est vraiment bien, moi j'ai passé un bon moment devant, je vous dis, de toute façon les scènes avec Disney sont vraiment les plus drôles,
Et un film Disney, on pouvait s'attendre à que ça fasse ça. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, à part aller voir Ralph 2. Je trouve que ça c'est une très bonne suite au premier. Peut-être pas au niveau, en tout cas, il n'y a plus la surprise. Ça respecte le jeu vidéo, ça respecte Internet, ça fait des allusions à beaucoup de choses de Disney. C'est plutôt sympa. De toute façon, Internet, c'est un endroit ultra référencé, et donc c'est intéressant. C'est toujours très bien animé, on est chez Disney, et Vanellope est vraiment toujours super mignonne avec ses bugs et tout. J'aime bien aussi, voilà, le côté plus elle stresse, plus elle bug. Ça, c'est super intéressant aussi d'avoir mis ça en place. Voilà, j'ai un peu parlé dans le désordre. C'était peut-être pas très ordonné comme critique. Je suis désolé. Mais en tout cas, ce que vous pouvez en voir, c'est que je vous invite à aller voir Ralph 2, qui a quelques défauts, mais que ça ne gâche absolument pas l'expérience du film. Voilà pour Ralph 2. On se revoit bientôt pour une autre critique. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo autour de vous. C'est ce qui nous fera nous connaître. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. C'était le Geek à lunettes. Je vous dis à la prochaine. Finité. Incantatem.